Bonjour à tous et à toutes amis, c'est la team Lucien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo drone comme vous êtes en train de le constater, en compagnie de cette fois-ci Axenox. Salut à toi. Bonjour. Donc là, actuellement au-dessus de moi, il y a son drone. Il part par là-bas. Donc là on est dans un très grand champ, comme vous pouvez le constater. J'essaie de faire des vidéos là. Alors petite précision, la qualité d'image n'est pas top parce qu'en fait j'ai mis en éclairage faible. Car actuellement il fait, bah, comme vous le constatez, il y a beaucoup de nuages, donc il n'y a pas de soleil. C'est quoi ces vieux bruits là? What, on voit plus du tout le drone presque. Alors on aura les images du drone. What, comme t'es loin là. Rip, le fait venir, hein. Ma transmission elle pue. Regarde l'écran. Encore, ça s'est remis. Avant, je jouais avec du blanc presque. Mais là, je viens doucement pour faire une belle vidéo fluide. Ah là, on le voit un peu. De toute façon, là, tu reviens donc. Ouais. Ah, je fais que des mouvements bien. Sauf là-bas, j'ai fait un peu de la merde. On va regarder un petit peu. C'est la deuxième vidéo de drone. Hein. La dernière fois, c'était en compagnie de Jérôme 007, mais c'était la nuit. Avec lui, si tu la nuit, je crois que ça en fait rien. Tu as du noir. Ouais, bah, de toute façon, je pense que. À part les caméras 4K. Ah, t'as vu le clignot de la caméra? Oh, j'ai un peu de vie. J'enlève les lettres parce qu'ils servent à rien. Alors vraiment, qu'est-ce que je fais comme vidéo? Bah écoute, comme tu veux. Ouais, alors on va par là-bas cette fois-ci. Et on avance. Ouh là là. Voilà. Quand la reconstruction est mauvaise, je reviens. Surtout qu'il neige en plus. Parfait là. Par contre, le drone est. Je suis trop monté là, sans exprès. Le drone lui est vraiment loin. Je pense que quand il est trop haut, je vais arrêter de le filmer parce que ça me fait un peu mal au bras. Puis qu'en plus, je filme avec. De toute façon, après, on verra la vidéo du drone direct. Voilà, exactement. Donc. Donc là-bas, vous pouvez constater qu'il y a mon drone, on va le tester juste après. Mon mini drone, hein, il a toujours pas changé. Ouais, parce que la batterie ne doit pas durer longtemps. Ça se trouve, il est déjà vide. J'avance un peu vers le champ, tout en descendant, et après je fais du rasmot. D'accord. Mais du joli rasmot, c'est possible. Si tu veux, le temps que tu descendes, je vais mettre en pause. Là, il est vraiment 20%, il est ultra lent alors que je suis en train de revenir. Je crois que je vais monter la vitesse, là. Hein. Je crois que c'est bon. Ouais, non, je vais le faire descendre, je vais le mettre à 100 et je vais faire le rasmot.
Alors, petite précision, pour faire vite fait une petite pub, il y aura une vidéo qui sortira soit aux alentours de la semaine prochaine, le temps qu'on fasse le montage. Justement, ce sera Asso 3. Avec justement cette fois-ci des vues. Enfin, des prises de vue avec le drone. Donc, en l'occurrence, le drone de la Xenox. Je vais monter la vitesse. Attends, je vous montre un petit peu le drone. Quoi ça ressemble. Donc là, on est en arrière, voilà. Donc, les lettres bleues, c'est pour le côté. Et bah, bien sûr, le blanc, c'est en avant. Hein. Voilà. Bon, attends, on va faire du rasmot. Plus de batterie. Le crash. Ah, ça clignote vitesse, que. Hein. Ça clignote donc c'est qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. On va faire un nouveau rasmot. Mais un rasmot plus calme. Ça filme toujours là? Ouais. Voilà, un rasmot revenant. T'es en vitesse combien là? 100, mais je vais doucement. Après, je suis en aller-retour, vitesse max. Voilà, non, attention, vitesse maximum. Par contre, là, non. Attends, faut d'abord que je le monte en l'air, parce qu'il descend quand je vais en vitesse maximum. Je pourrais peut-être pas aller très loin là, parce qu'il descend. C'est à cause de la batterie faible? Ouais, je sais pas. Avant, il descendait aussi quand on avait batterie faible. Donc je pense que c'est ça. Donc tant qu'il ne trouve pas tout seul, hein, c'est utilisé. Donc alors, ce qui est bien entre... Ils vont proposer, là. Ouais, ils proposent, là. Donc ce qui est bien entre avec le drone de Xenox et le mien, c'est qu'en fait, la Técan est plus ou moins la même. Enfin, surtout les fonctionnalités. Donc on va mettre en pause, on va... allumer mon mini drone, de toute façon là on n'a plus de batterie chez Xenox, donc on va se retrouver dès qu'on est sur mon drone, à tout de suite. Donc on est sur mon drone, donc voilà, vous pouvez constater que la télécommande c'est plus ou moins la mienne. Par contre, bah voilà, pensez à faire des petits focus. Voilà, donc voici mon mini drone qui est juste là. C'est quoi, je vais le mettre en speed 10. Attends, tu sais quoi, maintenant je vais filmer. Je me mets en speed 30 et je fais une vidéo. Vas-y, faites beau. Ça fait juste une vidéo. Là, je bouge pas du tout. T'es pas obligé de filmer là, ça va être vraiment un petit peu. En fait, quand même. Attends, tu en étais arrêté à où du coup? Quand il est tombé. Ok. Donc voilà les amis, là c'était vraiment assez court. Donc j'ai quand même réussi à enregistrer la vidéo, donc vous l'aurez au montage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et voir la vidéo. Sur ce, je vous dis à plus et à très bientôt. Salut Franck. Salut. Allez, à la prochaine.